Yo. Et c'est parti. Et bonjour à toutes et à tous, ici le Caméléon, de retour pour un nouvel épisode de Age of Empires de l'Alchimie Dynasty. Alors, ça sera la dernière mission, épisode, si vous voulez, pour la campagne chinoise. Après, nous allons nous attaquer à du sérieux niveau histoire. Parce que là, ça a été un petit peu what the fuck avec la campagne chinoise. Donc, on est reparti. Un nouvel empire. Ouais, parce qu'on n'a pas encore trouvé le neveu de l'empereur dans l'épisode précédent. Ça a été un petit peu galère pour moi en plus. Première fois que j'ai eu un game over en plus là-dessus, mais bon bref, on est reparti. Janvier 1422. La maison me manque quand je me rappelle la pluie tombant sur les montagnes et le repos du soir. Je me fais du souci pour l'amiral. Peut-être allais-je mal jugé, car il n'est qu'un jeune garçon. En ce moment, il est peut-être en train de trembler de peur, priant pour voir un visage amical. Alors, il y a une toute petite faute de frappe, me fait du souci. Ouais, là, c'est un petit peu bizarre. Bon, on est reparti, et alors, retrouver le neveu de l'empereur. Un nouvel empire. Cette cité est déserte? Non, pas déserte. Les villageois se sont cachés. Enfin, pourquoi? Je ne peux pas croire que vous vous abaissiez à la mutinerie, Jinhai. Il n'y a pas mutinerie quand on est amiral. Vous comptiez piller la flotte une fois arrivé en Inde. Mais une bande de paysans et de marins vous en a empêché. Rassurez-vous, je ne ferai pas deux fois la même erreur. Moi qui vous avais pris pour un pleutre et un lâche, mais vous n'êtes qu'un imbécile. L'empereur saura tout de votre trahison. Sur ces terres, c'est moi, votre empereur. Alors que votre empire meure ici. La merde. La merde, l'emmerdeur. Alors là, on a les Aztèques, Maya, et aussi les mercenaires hindous. Il voulait piller tous les navires à trésor de son oncle empereur. Nul empereur, l'empire n'est éternel. Ouais. Désolé. Là, ces cavernes nous serviront de couverture. Une fois sur les plages du Nord, nous pourrons reconstruire notre armée. Je vous l'avais dit, ce fourbe d'amiral est une disgrâce pour tous les marins. Je vais de chaud, Shiza. Voilà. Shiza. Tâchons de ne pas nous faire repérer. Je préférerais éviter tout affrontement. Alors, voilà ce qui se passe. Vous avez des patrouilles qui viennent, et si on se fait remarquer, des renforts arriveront nous attaquer. On peut se cacher dans des petites grottes de ce genre, mais il ne vaudrait mieux pas trop traîner quand même, parce que lui, il va faire en sorte de récupérer des ressources. Bon, là, c'est notre base. Capitaine, c'est vous! Nous craignons que vous nous ayez oubliés. Oula. J'ai cru qu'il allait faire une connerie, lui. Voilà. On récupère le guérisseur. Encore une nouvelle patrouille qui arrive. Chuta. Nickel, bon.
On va se regrouper là-haut, parce que eux, ils vont être plus rapides à nous pourchasser. Si je dis pas de conneries, ici il y a une caverne, ici aussi, là aussi. Ils risqueraient pas, ils vont pas vous attaquer, vous en faites pas. Et en plus, avoir le guérisseur avec nous, c'est déjà une bonne chose. Allez, courez les mecs, courez. Ah, ils ont un petit peu de tout, hein. Il a même réussi à récupérer des hommes chinois. Hein. Bonjour, capitaine. Quel plaisir de vous voir. Plaisir partagé, soldat. Qu'est-ce que nous avons là? Une réserve de caoutchouc. Oh, un petit peu de ressources avant de commencer la partie, ça serait déjà bien. Et là où on va aller, on va pas rencontrer normalement d'ennemis. Du neveu de l'empereur, mais on risquerait de rencontrer des créatures pas très sympathiques. Merci, capitaine. Nous n'aurions pas fait long feu sans vous. Alors, ouais, je m'en doutais. On va attendre un petit peu. Une fois que eux ils seront passés, on va aller là-bas. C'est déjà une bonne chose de récupérer un petit peu de ressources avant d'aller à notre base. Et là, je vous garantis que ça va être un très long épisode. Oh punaise. Oh punaise. J'avais oublié eux. Ils sont peut-être plus lents et ils sont plus nombreux. Alors, j'ignore s'ils continuent à faire des patrouilles une fois qu'on sera à notre base et qu'on attaquera le neveu de l'empereur. Mais ce qui est sûr, c'est que... Une fois qu'on va aller dans cette grotte, on va plus être dérangé. Enfin, plus ou moins. Allez, maniez-vous. Alors, passer par ici, ce serait directement accéder à la base ennemie. Qui est une mauvaise chose en soi. On n'est pas armé pour. Nous sommes à vos ordres, capitaine. Voilà. On récupère les ressources. Notre guérisseur fait son taf. On va attendre que les deux groupes passent. Non. Ah, les abrutis. On va attendre que ce groupe-ci soit passé. Et on va courir. Genre... maintenant. Il n'y aurait pas quelque chose là en bas. Oh, c'est un autre accès sécurisé. Pour éviter de passer vers un mauvais chemin, quoi. Là, pour l'instant, ça se passe bien. Oh. Jinhai contrôle le village d'indigènes. Continuons de suivre la vallée. Nous ne sommes pas de taille. Voilà. Bon, c'est... Alors là, on a le village ici. Mais on fait genre qu'on passe discrètement. Ah, on a aussi un autre indigène à les secourir. Ce serait pas une si mauvaise idée de l'avoir en recrutement. Et voilà. Voilà. Nous serons en sécurité ici, à condition de rester en mouvement. Alors, il y a des ressources, beaucoup de ressources dans cette grotte. Couchez.
42 bois. T'as beaucoup de ressources de bois ici. Voilà. Encore plus de bois. Avoir un bon dé, avoir une bonne réserve de ressources dès le début de la partie, ce sera déjà pas mal. C'est bon. Voilà. Alors, voyons voir. Encore un ours ici. De l'or. Une immense quantité d'or. Voilà. Alors, il y a une partie de la caverne auquel il y a beaucoup d'or, même s'il est surveillé par beaucoup d'ours. Par ici. Voilà. Et il faut demander aux villageois de les miner. Et il y a beaucoup de réserves d'or. C'est déjà pas mal d'en avoir une ici. Et en avoir quatre à l'intérieur, qui est même proche de la base ennemie. Ce serait l'idéal, mais pour l'instant on va se concentrer sur notre base, la défense, et préparer de la lumière. Nous sommes enfin arrivés au bout. Voilà. Voilà qui est fait. Jamais été aussi heureux de sentir l'odeur de la mer. Voilà. Alors, priorité absolue, défendre le fort. Alors, on va prendre ça, et de là, et de l'or aussi. Malheureusement, il nous manque pas mal de ressources là. Alors, notre priorité est ceci, le centre-ville, les deux centres-villes, et aussi on va massacrer un petit peu tout le monde. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer lui? Alors, il nous a donné deux casernes. J'ai remarqué des lueurs dorées dans ces cavernes. Nous devrions aller vérifier. Oula. On va placer notre fort ici parce que ça va être une zone auquel ils vont énormément venir ici et vers le nord. Nani. Oula, oula, oula. Voilà. Nickel. On est bon pour l'instant. Il va falloir améliorer tout ça, bien sûr. Et ça va, je peux pas gagner encore. Voilà. On aura un villageois pour récupérer les ressources ici. Voilà. Bien entendu, je vais aller envoyer un des villageois à les récupérer. Enfin, déblayer plutôt cette zone-là. Non. On sait jamais. Il va me falloir aussi pas mal de ressources pour s'occuper de la défense. Voilà.
Là, on est bien nombreux. Là, on pourrait, on peut défendre notre base. Par contre, on n'est pas assez nombreux pour raser les deux bases de l'autre petit. Voyez de qui je parle. Bon, allez. Alors, comme d'hab, le navire à trésor va nous offrir pas mal de ressources tous les 1 minute, si je ne dis pas de conneries. Je vais le garder pour l'instant. Pour l'amélioration. Justement, pour l'amélioration, il y a eu encore. Il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. Donc je risquerai de faire des petites coupures juste pour éviter que la vidéo soit trop longue, parce que là je sens que je vais faire une vidéo d'une heure. Oh la vache. Déjà que j'ai pas beaucoup de stockage dans mes disques durs, donc ouais, je bosse beaucoup aussi, hein. Je bosse beaucoup en dessin et en vidéo, pas en informatique ou autre. C'est pourquoi je vous parle de ça, moi. Nickel. J'ai oublié le truc le plus important. Le marché. Baza. Ouais, c'est le bois qui me manque là. Tiens donc, Gongji, cette caverne mène directement à la forteresse de l'ennemi. Ça me donne une... On dirait bien que Shen a découvert mon plan aussi. Un plan qui n'est pas vraiment l'idéal en réalité. Je garde juste un petit groupe ici. Allez, genre. Voilà. Voilà. On va pouvoir lever les...
是的。是的，好的，准备出发。警察命令，是的，警察命令。什么？农夫准备好了，准备结束。Rentrez chez vous, capitaine Huang. Vous êtes trop lâche pour mener votre tâche à bien. Ouais, c'est ce qu'on va voir. On va tenter, je dis bien, tenter une première vague d'assaut. Où est-ce qu'elle était, celle-là? Merde. Alors, comment ça va se passer? Les ressources en haut, je m'en fous. Au moins avec ça, on va lui ruiner ses défenses. Arrosez-les. Noyez-les dans les flammes. Ah, désolé. Je me mets en mode Charlance Flamme là, avec un Conqueur Généreux. Mais c'est tellement ça avec les Élites Lance Flamme. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le premier centre-ville est réglé. Au bout de 42 minutes de vidéo, génial. Ah, ça se tente de reconstruire le monastère.
Jamie. Ah, t'as fini? On va couper du bois ou va chercher la nourriture. Les renforts sont arrivés. Non, ne dites pas que vous avez déjà tout déboisé ici. Oh bah. Ok. Vous n'avez pas votre place dans cette étrange contrée, Capitaine Mork. Plus vous resterez, plus vous verserez le sang innocent. Ah, je peux me mettre déjà en âge impérial. Génial. Un peu du ciel, ouais, allons-y. Ah, la capitale est plus sud. Voilà. Maintenant, on va pouvoir s'en occuper. Tac, voilà. Je sais pas si ça fait partie de l'objectif, hein, mais bon. Ça fait de l'XP. D'accord, ça fait de l'XP. Merde, ça fait du jeu aussi. On va utiliser cette capacité là. Ah, ça sonne bien les troupes. Je vois pas rien. Enfin, certaines unités surtout. Oh la vache! Oh la vache! Qu'est-ce qui vient de tout cela? Ah, mais ça vient. D'accord. D'accord. Oh la vache! Mais non, faites pas de demi-tour. Un petit espionnage. Il sera construit derrière. Gagné. Vous pensez m'avoir vaincu? Mon règne ne fait que commencer. Dans une autre vie, peut-être. Mais pas dans ce... On voit justement Shenmue lui tabasser à mort. Les temps changent. Mets le cap à l'est, Chen. Vers le pays. Pas trop tôt. J'ai du sable jusque dans des endroits inavouables. Comme il est dommage qu'un homme aussi privilégié que l'amiral ait connu une fin aussi banale. Les grands hommes se voient au choix qu'ils font. Pas leur or, jamais. J'ai de la chance de t'avoir eu pour me guider, Chen.
C'était très facile. Je me suis simplement contenté de suivre la piste. As-tu bien fait ce que je t'ai demandé ? Nous avons effacé toute preuve de notre présence en ces lieux. Bien. Il est temps que la flotte des trésors retourne au pays. Viens. Et j'espère que personne n'en saura jamais rien. Je suis peut-être passé par là, moi. Enfin, bref. Donc, c'est fini pour la campagne chinoise. On va commencer à la campagne Inde. Alors là, c'est beaucoup plus historique, avec la population de l'Inde qui se révolte contre les Britanniques, la Compagnie des Indes, et ça va être quelque chose. Alors, ce sera pour le prochain épisode, bien entendu, et je vais enfin quitter le mode de gameplay assez loufoque des Chinois. Avec les deux types d'unités qui nous mettent à produire en même temps, c'est bien pensé, mais si on n'a pas l'habitude, bah c'est un peu du n'importe quoi. Mais bon, bref. Donc du coup, sur ce, je vais vous dire à la prochaine, portez-vous bien et ciao. C'était le Caméléon dans Command & Conquer. J'allais refaire cette connerie. Dans Age of Empires 3, Asian Dynasty. Ouh, oh putain, 50 minutes de vidéo. Eh ben encore heureux que je vais la couper celle-là.